l'une des forces du SARS-CoV-2 est sa capacité à se propager avant que le patient ne présente des symptômes. Des études ont montré que 59% des contaminations par le virus provenaient de porteurs ne présentant aucun symptôme. 60% d'entre eux étaient présymptomatiques et 40% n'ont jamais développé de symptômes. Les symptômes ne sont pas un bon moyen. Des études montrent que 2 patients sur 3 ayant eu un RT-PCR positif au SARS-CoV-2 n'avaient aucun symptôme. Des tests effectués sur des équipes sportives en Europe ont aussi révélé que plus de la moitié des patients ayant une charge virale faible au moment du test ont développé des quantités plus élevées de virus par la suite. Pour lutter contre cette pandémie, nous avons besoin d'un test fiable et précis pour détecter les porteurs n'ayant pas de symptômes et ceux ayant une faible charge virale en début d'infection. Ceci est très important car ces 2 groupes de personnes sont des personnes contagieuses pour leur entourage. Le test rapide antigénique n'est pas assez sensible pour détecter les personnes sans symptômes et avec une faible charge virale. En effet, nous savons qu'une personne sur 2 détectée positive en RT-PCR n'est pas détectée par un test antigénique, et tout particulièrement chez les personnes asymptomatiques. C'est pourquoi le test RT-PCR est considéré comme LE test de référence pour dépister le virus, dans toutes les situations, en début d'infection ou que vous ayez des symptômes ou pas.